Ça, c'est le vivarium abandonné de Lausanne. Et nous allons l'explorer aujourd'hui. On va droit dans notre mort. J'ai entendu une feuille morte. Mais tu vois, t'entends, hein. T'entends ? Tuc, tuc, tuc. Je pense que c'est de l'électricité. Oui, l'électricité ici. Justement, elle est défaillante. Putain ! Mais non ! Ici, genre là, c'était l'entrée, puis tu pouvais voir un animal avant d'entrer. Ouais. Tu fais tomber la GoPro. Oh non ! Mec, t'as entendu ? Ouais ! T'as entendu quoi ? Un truc qui est tombé. Pas très fort. Ça a fait un... Bon. Est-ce que... On y va. Je laisse passer un peu de vent pour la caméra. Bah oui, c'est moi qui vais en premier. Bah ouais. Ah, des cadavres. Bah. Ah, je crois qu'ici, c'était les vestiaires. Genre... J'ose même pas parler. Ouais, va vraiment. On dit. Bon, allez. Alors abonnez-vous parce que je vous en supplie parce que là. Mais mec, pourquoi tu vas aller là? Pourquoi on n'est pas avec Chuck Norris? Mais il y a rien. Il y a une autre pièce. Oh putain. Ouais. Ah, je laisse passer devant. Bah, ça. On va faire un snap Big Hills avant notre mort. Ça inspire super confiance. C'est de la dynamique. Bon, je tiens à dire aux SDF qui habitent ici, on n'est pas là pour vous nuire. Ça... Regarde là-haut les petits bouts de verre là, qui pourraient être tués à tout moment. Tout peut nous tuer ici. Find a Todd Freddy! Mais mec, mais c'est flippant! Mec! C'est ici qu'on fait les SCP! C'est quoi ça? Ils ont cook de la mettre! Est-ce qu'on a peur d'être tout seul ou peur de ne pas être tout seul? Moi j'ai trop peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre là. Attends, ah, c'est super flippant! J'ai l'impression que si on fait pas de bruit, c'est plus flippant. Je trouve ça assez stylé. Décoration pour les animaux. En plus, ils sont encore là. Puis tu peux voir les fondations de comment ça s'est mis. Ouais, genre, je crois que ça, c'est le cours d'eau. Ça, ça, par... voilà, genre là, là, c'est... là, c'était le roi lion. Il y a Simba qui fait. Sachez que l'urbex, j'en ai marre, me justifier. Ce n'est pas illégal. En tout cas, en Suisse, tant que tu détériores rien, c'est pas illégal. On va explorer. On va monter aujourd'hui. Le seul endroit où on va monter, je pense, c'est soit aux enfers, soit au paradis. Je sais pas parce que j'arrête pas d'entendre pour le papier. Moi je veux juste savoir c'est quoi le, la sortie la plus proche. Putain, il y a les backrooms. J'ai trouvé l'entrée des backrooms. Wesh. Mec, si on tombe là, on est mal. On va pas tomber ici, bah sûr. Mec, c'est quoi cette porte? Pause. Pour nous remettre dans le contexte, nous avons entendu un bruit très lointain, comme un humain qui criait. Nous avons donc pris la fuite comme de vulgaires merguez pour discuter de ce qu'on a entendu. C'était cool la vidéo. Ouais. Si on a entendu la caméra, on va te dire hey, hey, salut à tous les amis. Y aller à deux, c'est pas une bonne idée. Fin de vidéo. Par contre, on peut faire des théories. C'était de là-bas. C'était peut-être là-bas. Je sais pas si j'ai quand même envie de m'aventurer. Hein. On prend les couilles à cette main, on gueule un maximum possible, et ensuite on revient ici. Et s'il y a personne, c'est qu'il y a vraiment personne. Et on crie, le seul truc que ça va faire, c'est qu'ils vont se cacher, ils vont se mettre en alerte. Si c'est pas déjà le cas, d'ailleurs. Pourquoi tu dis ça? Viens, monte là-haut. Laisse tomber, mec. On ne vous veut aucun mal. En fait, je pense qu'il faudrait lui crier. Oui, gravier. Tu vois, genre, c'est un peu moins flippant, genre. Je tiens à dire que s'il y a des gens là-dedans, on vous veut pas de mal et on fait juste de l'urbex. On fait une vidéo YouTube où on dit Mishka, Moshka, Mickey Mouse. Mais t'as plus peur de voir quelqu'un, un cadavre? Bon, mec, il y a du beurre. Du beurre? Ah oui! Pourquoi il y aurait 5 kilos de beurre ici? Et c'est où l'entrée? C'est ici là? On disait bonjour, 3 tickets s'il vous plaît. Mais oui, mais c'est largement ici, regarde! Regarde, c'est ici que t'achètes tes tickets. Regarde, il y a un comptoir. Mec, pourquoi il y a 4 trucs de butane? Et ça explose! Si on explose, c'est ta faute, hein. Pour ça, on s'approche pas de ces trucs. Bah, je te laisse passer devant, c'est un youtubeur. Putain. Des toilettes, ça! Qu'est-ce que ça fait? Bon! Je suis prêt à avoir un cadavre. C'est largement des toilettes, ça! Ah, les toilettes, mais sans les toilettes. Puis là, il y a quoi? C'est bon, il y a pas de cadavre. Bon, bah, il y a rien. Alors, du coup, on va ici, là, on n'a pas osé. Là, maintenant, je commence à avoir de plus en plus confiance. C'est alors, quoi là-bas derrière? Quoi là-bas derrière? Un cadavre. Ah, une puff! Oh, piou piou, piou piou! Oh, piou piou! Mais attends, mais il est trop chaud! J'ose pas crier, j'ose pas réveiller le monstre de cet endroit. Allez. J'ai peur de trouver un cadavre. Ah! C'est ici qu'ils nettoient les animaux! Et ici que. C'est quoi ça? Oula! C'est de la boue? C'est de la boue? Mec, y'a plein de toiles d'araignée. Salut! Ça, c'est parce que c'est abandonné. Je pense qu'ici, c'est là où ça lavait les animaux. Bah, vas-y, je te laisse entrer. Hein. Un canard? Oula! Ça inspire pas confiance. Ici, y avait quelqu'un. Y avait des animaux. Y a quoi là-bas? Mais rien du tout, y'a juste genre un espèce de terrarium. Mais j'aimais pas être ici parce que c'était un cul-de-sac. Quand il fait le grand JD, il est tout seul. Tout seul, il va dans des trucs abandonnés. Il peut faire un maximum l'urbex à l'extérieur. Bon, allez, viens, on porte ton coup. Il y a 7 mains là. Bon, bah. Bon, les escaliers m'ont l'air solides. Juste cet endroit là. Juste la porte là. Juste la porte, elle me fait flipper. Qu'est-ce qu'il y a quoi là-dedans? Oh, mais attends. Ah, je pense peut-être que c'était la salle de l'argent. Où il y avait de l'argent. Oh, il y a la lumière. Je touche pas parce qu'ils ont fait un zzzz. On peut explorer ici. Voilà. Il faut dire, il y a des tailles qui sont vraiment très sillées. Hein. Je pense que là, il y avait un immense terrarium pour l'entrée, genre c'est joli. Si les bombes explosent, on a rien là. On meurt. C'est génial. C'est pas en bois, ça craque pas, c'est bien. En plus, ça va direct à l'extérieur. Ça me va parfaitement.
Mais en fait, on revient toujours au même. On revient toujours au même endroit là. Ouais, vraiment. Mais... on nous ramène ici. Mais c'est un vivarium à 5 balles parce que tu fais le tour en 3 secondes. Pourquoi il y a une sonnette? Imagine, ça ferait ting tong. Ça aurait été terrifiant. Pourtant, il y a le voyage de Chihiro là-bas. Il y a un clavier, mais qu'est-ce que quoi? Pourquoi il y a un clavier? Bon, maintenant que j'ai, il y a personne. Maintenant, ce que j'ai peur, c'est des cadavres et des seringues. Seringues. Mais ça, c'était quoi ça? Mais c'était pour les animaux qui étaient punis ou quoi? C'est juste une pièce carrée, il y a rien. Mais mec... attends, on va regarder juste à l'extérieur. Oh, je crois que il y a beaucoup de trucs à explorer. Et ici, c'était quoi les trucs pour les petits poneys? Ah, oh, j'ai trouvé un truc encore plus flippant à explorer. Oula. Oh là! Oula! Oula! Moi je vais pas là-dedans. Attends, mais frère, c'est quoi ici? C'est super flippant. Mais je comprends pas c'est quoi ici en fait. Je comprends pas c'est quoi le but de cet endroit. Peut-être que c'était l'entrepôt, tu sais, pour ce qui est décoration d'animaux, il les mettait ici à l'extérieur, il fermait à clé. Oh, est-ce qu'on n'entrerait pas dans les backrooms? Allez, la fin de la vidéo. Après on ira explorer ça. Là vraiment, là c'est le Saint Graal de ouais, Lundbex. Vraiment. Puis ça c'est quoi? Mais oui! Là, les crapauds, regarde. Mais oui, mais c'est ça, hein. Bah, ici, là... c'est les petits crapauds. Regardez ça, c'est magnifique. À tout moment, je fais tomber la caméra, là. Tu vas la ramasser. On va aller là, à la fin de la vidéo. Oui. Je pense que là, je sais pas, il y avait des tortues. Les tortues, ils étaient ici? Oui. Non, non. Attends, s'il y a une place de jeu abandonnée, je... j'y vais. Hein. J'aime bien, ils ont mis des barrières pour qu'on évite d'y aller. Lol. J'ai l'impression que genre, c'est abandonné depuis un an. Non, non, ça fait 10 ans qu'il a abandonné cet endroit. Vraiment? Oui. Ça va en fait. Je pensais que ça allait être tout délabré, il restera plus que les planches. Non, il y a des trucs à voir. Jus. Jus. Dégueulasse. C'est trop bon, jus. J'ai soif. Oh, trop stylé, il y a une bouteille de Tag. Oui, oui, j'en ai vu aussi à l'intérieur. Oh, le champi. Et un noix de coco. Et si c'était le jouet de la tortue? Est-ce qu'on n'entrerait pas dans les backrooms? Ah, les backrooms là. C'est tout noir, là. Bon, allez, on passe par là? Non. Ah, wesh. Bon, c'est super ouvert. S'il y a quelqu'un là-dedans, il est juste en train de filmer une vidéo YouTube. Seul truc qu'on veut, c'est faire de l'urbex. Si vous voulez pas qu'on vous filme, manifestez-vous juste et dites-nous gentiment sortir. On sortira avec plaisir. Avec plaisir. Ah, Tataki. Tataki partout. Mais non. Ouais. Je l'ai qui. Alors, merci Tataki. Dans nos cœurs, Tataki. Par contre, le nombre de personnes qui sont été là-dedans pour taguer. Il y a un chargeur efficieux. Ah, merci. Au cas où les GoPro ne marchent plus. De plus en plus terrifiant. Oui. Non, mais en fait, c'est gigantesque. Et si, je crois pas que c'était pour les animaux, ça, c'était pour le vestiaire peut-être. Moi, je cherche juste ce cadavre. Il y a pas de cadavre. Oh, on peut jouer à Twix. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je t'aime, mais c'est trop drôle. Ouais, oh, le silence. On continue de faire du bruit. Oh, mon zizi, oui, 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 oui. Ça aussi, c'est flippant. Et par contre, si je devais taguer, je dirais... non, sortez ici, vous êtes observés. Ah, juste vraiment pour foutre la pression. Comme ça, il y a personne qui fait des vidéos. Ici, pourquoi il y a un cul-de-sac? Il y a rien. À part des graviers. Exprès pour cacher un cadavre. Peut-être. Oh, il y a une feuille. Mec, viens là, il y a une feuille. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Protocole pour le nettoyage. Il y a une petite araignée. What? L'éponge ainsi que la passe sont utilisées afin de nettoyer les frigos. L'éponge saumon. L'éponge est utilisée notamment pour tout ce qui est en contact avec la verdure, couteau, fourchette. Justement. J'ai avoir le sida en touchant cette feuille. Il y a une porte condamnée. Qu'est-ce qui se passe? Mais les portes condamnées me font super flipper. Mais c'est rien comparé à la dernière porte qu'on a. Non, non, je vais pas en parler de ça. Bon. Ouais, vraiment, il y a plus rien. Je l'aurais pas fait. Mec, il y a 6 multiprises. Ah. Toutes les GoPro en même temps. J'ai presque envie juste de tester, voir si ça marche. Non, moi pas. Tu vas voir, il y a ça, c'est super flippant, par contre. Ha, ha, ha. Voilà. Je peux savoir. C'est ça. Ah bon, là, c'est la mare au canard. On est dans la mare au canard. Attends, mais en fait, l'endroit où on est, c'est l'endroit pour s'occuper de tous les animaux. Ouais, je crois. Putain, j'ai failli tomber. Par contre, il faut qu'on se taille du coup. Et j'ai passé par là-bas. Switch, switch, switch. Us ma bite. Ah, putain, sous ma bite. Zus ma bite. Bon, bah, voilà où on était. Ok. Bon, c'est parti. On vous l'a promis, on va aller dans l'espèce de backroom. J'ai tellement pas envie. Moi non plus. Mais on le fait ça pour vous, donc abonnez-vous, je vous en supplie. Merde. Non, mais pourquoi? Imagine, on rentre là-dedans et on ressort, et il y a 1000 ans qui se sont passés. C'est un trou noir, le bail. Déjà, rentre un tout petit peu dedans et mets de la lumière. Mec, c'est une grotte sans fin. Je sais pas ce que ça fout là, c'est ça le plus flippant. Je te laisse rentrer, hein. Y'a quoi? C'est un truc, il n'y a pas de fin, je vois pas de fin. On a trouvé les backrooms, vous confirmez? Oui, on va les confirmer. Là, tu peux passer. Tu veux, Jeanne? Oui, et après, on explore. Bon, vas-y, hein. Mec, c'est quoi? Mec, je sais pas ce qui est le plus flippant, je sais pas ce que ça fout là. Et puis, qu'est-ce que ça? Par contre, c'est de la mousse, le sol. Il n'y a pas de fin. C'est ça que je...
Je sens pas le cadavre, y'a pas d'animaux morts. Franchement, je vais pas trop loin. Hein. T'inquiète, ok. Au fond, qu'il y a un truc. Mais... Bah viens, on va au fond. Abonnez-vous. Les gars, vraiment, vous êtes obligés de vous abonner. Hein. Non, mais là, ce qu'on fait, là, c'est la limite de ce qu'on peut faire dans une putain de vidéo YouTube. Mec, c'est terrifiant. Et y'a un alter, par contre. Y'a un alter. Y'a un alter ego. Y'a des gens, ils font de la muscu ici. Damn les gens, est-ce que tu veux faire un truc à 36 ans? Non, en vrai, bravo Thibaut, arrêtez juste de le critiquer. Critiquez pas Squeezie, critiquez pas ça. Quand je suis comme ça et tout gentil, ça veut dire que ma fin est proche. Mais par contre, si tu me dis pas que je suis un homme courageux. Mec, j'ai entendu des gouttes d'eau. C'est une quête secondaire. Ouah. Ah. Je sais même pas ce que c'est ici. Mec, je sais pas trop aussi. Hein. Mec, on a trouvé les catacombes. Mec, des deux côtés. T'as vu l'essentiel? On va pas trop rester, mais en gros, il y a ça. Voilà. Allez. Bye. On saille. Bien joué à toi. Merci. Bah, t'as vu en vrai, on est. Bah, en fait, c'est juste que là, on est que deux. Ouais. Il y a un truc de chaque côté. On serait cinq, je crois qu'on pourrait y aller. Ouais, large même. Là, allez, bien du jour. Hein. Eh, mais ça tient quand même. C'est la fin de l'urbex. On a peut-être pas vu de cadavre ni de mec au marteau. Bah, du coup, il ne sert plus à rien. Explose.